Le CERS, qui est celui-ci qu'on a aujourd'hui, qui est le vent d'ouest en fait. On est souvent le vent du nord, mais c'est le vent d'ouest. Mais encore ? C'est un vent qui descend tout le long de la chaîne des Pyrénées, et qui vient de l'Atlantique et qui se réchauffe au fur et à mesure qu'il passe sous les terres et qui arrive ici en se renforçant à la montagne de l'Aric, un petit peu après Carcassonne. Il se renforce et il est toujours assez fort ici. Les touristes, bien sûr, ne l'apprécient pas toujours. Mais on leur explique et puis ils finissent par l'aimer. Et qu'est-ce qu'il y a comme autre vent ? Après, il y a le vent de la mer, le vent marin qu'on appelle. Le vent d'Espagne ? Le vent d'Espagne, assez rarement. Le vent d'Espagne, quand un proverbe dit « vent d'Espagne, serre en campagne », ça veut dire quand le vent d'Espagne qui vient des Pyrénées, là, juste là, en plein en face du sud, quand il vient, ça veut dire que le vent du nord, le vent d'ouest plutôt, ne va pas tarder, le CERS ne va pas tarder à rentrer. Quand on voit le Canigou, quand, par la route nationale par exemple, quand on arrive à Narbonne et qu'on voit le Canigou, la chaîne des Pyrénées, on peut être sûr qu'au moins, au maximum 2 jours plus tard, le vent de la mer va rentrer. Et ça c'est pour nous, ça fait partie de notre météo, quoi, hein. Voilà, pas de station météo, l'observation.